Quel que soit le business, tous les chemins mènent en Chine. Et plus précisément au sud du pays, à Hong Kong, pour Vincent Stosicki et Olivier Donval. Garage ? Non, c'est là à droite. C'est là, là. Ils travaillent pour les magasins Jouets Club. S'ils viennent jusqu'ici, c'est que tous les fabricants de jouets de la planète se sont installés dans cette ville. Alors, comme chaque année au mois d'octobre, ils font leur course de Noël. Hello. Bonjour, comment allez-vous? Merci de nous recevoir. Leur objectif, dénicher les dernières nouveautés qui pourraient faire un tabac dans leur boutique. Ça, c'est notre version Deluxe. C'est un nouveau produit. Des tricycles de toutes les couleurs. Je fais du bruit, il va venir. Des chiens qui roulent et qui parlent. Bonjour, allez, c'est parti. Ou encore de drôles d'oiseaux musicaux. Alouette, gentille alouette. Autant de jouets que Vincent Stosicki veut obtenir au meilleur prix. Alors, comme chaque année, en bon acheteur, il met gentiment la pression sur ses fournisseurs. Tout est sous contrôle? Pas de problème sur les prix? Il baisse, bien sûr. Des éclats de rire pour seule réponse. Car contrairement aux années précédentes, négocier les prix pour Vincent Stosicki, ce n'est pas gagné. Exemple sur ce jouet, des robots transformables nouvelle version qui l'intéressent beaucoup. Pour les petites tailles, vous pouvez me donner une idée du prix? Autour de 7,40$ pour les petits. Et pour les grands? Autour de 9,50$. Trop cher pour Vincent. Il faut revoir vos prix à la baisse. Hein. Même si vos produits sont bons, nous ne pouvons pas les vendre trop cher à nos clients. Seulement, Victor Chan, le fournisseur chinois, ne va pas se laisser faire. Ok, je comprends ce que vous me dites. Mais vous savez très bien tout ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Vous êtes au courant? Je ne vais pas vous l'expliquer à vous. Aujourd'hui, vous devez en tenir compte. Ce que M. Chan est en train d'annoncer de façon diplomatique à Vincent Stosicki, c'est que cette fois, il ne pourra sans doute pas baisser ses prix. Il risque même d'augmenter. D'ailleurs, à ce sujet, le fournisseur chinois est catégorique. C'est difficile aujourd'hui pour vous de produire à bas prix? C'est très dur, vraiment très dur. La Chine bon marché, c'est terminé maintenant. La fin de la Chine bon marché. Une situation que Vincent Stosicki va constater chez bon nombre de ses fournisseurs. Ils sont tous situés sur les côtes de la Chine, de Shenzhen à Shanghai, une zone industrielle qui s'étire sur 2000 km. Au nord de cette région, à Ningbo, il y a une usine qui travaille pour Vincent Stosicki. À sa tête... Bonjour! Bonjour Sophia, comment allez-vous? L'élégante Madame Sophia. Elle fabrique des jouets en bois et malgré l'accueil chaleureux sur les prix, elle aussi a de mauvaises nouvelles. Pour l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, les prix augmenteront de 10%. 10% de plus. Résultat, dans les magasins en France, les prix de ces jouets augmenteront eux aussi. Vincent n'est pas satisfait. Comment expliquer de telles hausses de prix? La réponse est dans l'usine de Madame Sophia. Il y a d'abord le bois. Son cours s'est envolé. Elle l'achète 10% plus cher que l'année dernière. Mais là où les coûts ont vraiment explosé, c'est sur une dépense qui jusqu'à présent était très faible, qui faisait la force de la Chine, la main-d'œuvre. Son prix ne cesse de croître. Les salaires ont augmenté de 20% cette année. Et ce n'est pas juste dans cette fabrique de jouets. Un peu partout sur les côtes chinoises, là où se trouvent les usines, les ouvriers sont de plus en plus chers.